On poursuit dans cette vidéo de points de règle et cette fois-ci, on va parler du pion de consolidation pour Star Wars Armada. Allez, feu! Allez, le pion de consolidation, donc celui-ci, il est sympa. On lit la définition. Une fois les dégâts calculés, réduisez le total de la moitié, arrondir à l'entier supérieur. Une fois les dégâts calculés, hein, très important. Bon, contre un interdictor qui se prendrait toute cette attaque-là, hein, qui serait bien embêté, qui par chance ne va pas voir de dés annulés, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser en fait la redirection. S'il est tout neuf, il va pouvoir redirectionner sur bâbord ou, je rappelle, sur tribord, ou, hein, et pas « et ». Alors, grâce à ça, il va pouvoir déjà annuler deux touches, hein. En fait, il va pas vraiment les annuler, il va les absorber dans son bouclier. Ensuite, son bouclier, ben, de face, il a trois de bouclier, donc il va pouvoir enlever trois touches de plus. Et puis, ben, il va lui rester ces trois pions-là qu'il va devoir se prendre. Et donc là, ben, il va pouvoir utiliser son pion de consolidation, puisque ce n'est pas le même pion que la redirection. Et donc là, il n'y a pas, je n'utilise pas deux fois, hein, le même pion. Donc j'ai utilisé d'abord ce pion-là pour rediriger sur, en l'occurrence, sur tribord. Et maintenant, je vais retourner ce dé-là, ce pion-là. Et grâce à ce pion-là, je vais pouvoir diviser en fait cette main-là par deux. En prenant le chiffre supérieur, donc 3 divisé par 2, bah, ça fait 1,5. Et 1,5 chiffre supérieur, ça fait 2. Je pourrais retirer un dé. Sachant que dans la main, il y avait un critique, eh ben, c'est forcément ce critique-là qui se résolvera en premier. On ne choisit pas, hein, on ne dit pas « je vais enlever le critique de sur ce que je dois enlever ». En fait, le critique reste quoi qu'il en soit. Et donc, eh ben, au moment d'encaisser les dégâts, le premier qui sera résolu sera le critique. Et puis, à l'issue de quoi, on jouera la dernière touche. Voilà, ça peut paraître évident la consolidation, mais ça va mieux en le disant. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les pions de défense vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo et puis surtout à la partager au maximum autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon Tipeee, vous allez retrouver des ressources qui vous permettront de vous guider dans vos futurs achats. Et puis si vous voulez échanger avec moi, ben, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Facebook, ça me fera plaisir. On est déjà pas mal nombreux et on ne parle pas que de Star Wars Armada. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, ciao, bye bye!